Ok, ben, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Et les retardataires pourront nous rejoindre. Donc, bonjour à tous. Content de vous retrouver pour ce webinaire sur le climat et la gestion de l'eau. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, il y a la possibilité d'avoir une interprétation en anglais en direct. Donc, vous avez juste à sélectionner le bon canal. Voilà. On voulait faire un enregistrement en anglais également. Je pense que ça va être compliqué, donc on aura au moins celui en français. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure et demie. On va essayer de tenir le timing. Juste quelques règles pour que ça se passe bien. La première, c'est de bien couper vos micros et vos caméras, sauf lorsque vous êtes en train de parler. Là, vous pouvez rallumer et également, vous pouvez lever la main pour poser vos questions ou utiliser le chat. On notera toutes vos questions et on prendra après chaque présentation un temps, de questions-réponses qui sera, un peu chronométré, mais on essaiera en tout cas de bien répondre aux questions qui seront posées. Voilà. Donc le webinaire sera enregistré en version française et on pourra le diffuser également à la fin. Et si vous restez jusqu'à la fin, on vous proposera un petit questionnaire d'évaluation. Donc pour ce webinaire aujourd'hui, on a plusieurs intervenants. Je vais les laisser se présenter rapidement. Donc moi, c'est Joseph Pouzoulig, je suis chargé de projet pour FERP. Je vais laisser la parole à Laurent Poupart pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Laurent Poupart, moi, je suis agriculteur dans le nord de la France. Je suis aussi engagé dans des organisations professionnelles, notamment une organisation professionnelle chargée d'assurer les agriculteurs. Donc, cette organisation professionnelle, ça s'appelle Groupama. Et au sein de Groupama, on a une association Action Solidarité Madagascar, hein, qui accompagne tous les porteurs de projets là-bas dans le pays, que ce soit dans l'éducation, la santé, la formation professionnelle, notamment bien sûr formation agricole. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a le plaisir de travailler avec FERT. Merci beaucoup Laurent. Voilà. Arnaud Sommet de Côte d'Ivoire, peux te présenter. OK. Moi, c'est Sommet Arnaud. Je suis coordonnateur sur le volet maraîchage au niveau de FERT Aboaké. Nous travaillons avec l'Union régionale des maraîchers du Bekè au sein de la Côte d'Ivoire et principalement sur le conseil et l'accompagnement technique. Merci Arnaud. Noël Son à Madagascar pour FIFATA. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Noël Son Ranmenzanar, technicien du groupe FIFATA, travaillant ici dans les hautes terres de Madagascar, en Alamangaye, Itassi. Merci beaucoup Noël Son. Et enfin Alexandre, qui est conseiller technique à Madagascar. Bonjour, Alexandre, conseiller technique FERT à Madagascar, qui accompagne le groupe FIFATA. Merci beaucoup à tous. Donc, je vais faire une brève introduction du chantier, enfin, en tout cas de la thématique d'aujourd'hui. Et ensuite, je laisserai la parole à C'est moi chacun quand je pour parle. trois présentations. Merci de couper les micros, ceux qui arrivent, s'il vous plaît. Donc, c'est quelques photos juste pour vous montrer ce que beaucoup d'entre vous voient au quotidien, hein, qui est des aspects de changement climatique qu'on peut observer chez les agriculteurs et sur les paysages dans les différents pays dans lesquels on intervient. Ils peuvent se manifester assez souvent par de la sécheresse ou des inondations, des pluies tardives ou trop abondantes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça touche à peu près tous les pays dans lesquels on intervient. J'ai mis rapidement un petit graphique sur l'évolution des températures. Pas forcément détailler tout, mais juste dire que depuis le début des années 80, il y a une accélération du réchauffement. Les 40 dernières années ont été les plus chaudes depuis 1850.
Et moi-même, en tant que chargé de projet, à chaque fois que je vais en mission dans un pays, les agriculteurs nous interpellent à chaque fois sur cette question de changement climatique et de comment on peut les accompagner pour qu'ils arrivent à mieux s'en sortir. Alors, ce petit schéma du cycle de l'eau, c'est pour rappeler quelque chose d'essentiel. Je vais paraphraser un scientifique français des années des 1800 qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est Lavoisier qui dit ça. Et l'eau, c'est exactement ça. Il y a une quantité d'eau qui est limitée sur la Terre. Et donc, il faut qu'on apprenne à la gérer de manière raisonnée. Et ça va être l'objet de ce webinaire, de voir quelles solutions on a développées pour permettre une gestion de l'eau qui soit plus raisonnée, meilleure et du coup accessible à plus et plus longtemps dans les différents pays. Alors pour ça, on a classé un peu les différentes solutions en 4 catégories qu'on va reprendre après dans les présentations pays. Une première catégorie qui est tout ce qui est captage et stockage de l'eau. Une catégorie qui est tout ce qui est pompage de l'eau, notamment pompe manuelle, mais également pompe mécanique. Une catégorie qui est transport et distribution, arrosage. On aura notamment une présentation du goutte à goutte de Côte d'Ivoire. Et enfin, tout ce qui est dispositif anti-érosif pour une meilleure gestion de l'eau. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Alexandre pour présenter à Madagascar un outil de diagnostic qui a été créé et qui permet de bien faire le point sur la situation avec les producteurs et ce qu'on peut améliorer. Alexandre, je te laisse la parole. Ok, donc je vais vous présenter l'outil climat. L'outil climat est issu d'une méthode de diagnostic développée par Agricord et qui a été adaptée pour la rendre plus accessible aux paysans et plus facilement utilisable sur le terrain par les conseillers à Madagascar. Donc, l'objectif de l'outil est de permettre aux paysans de prendre du recul sur leur situation par rapport au changement climatique et de permettre aux conseillers d'aborder des réflexions de l'échelle de la parcelle vers l'échelle plus globale du bassin versant. Donc, c'est une approche territoriale qui est nouvelle pour les conseillers et qu'on est en train de tester. OK. Donc, l'outil climat se décline en 5 séquences d'animation et dure entre 2 et 3 heures. Deux personnes co-animent un groupe d'environ 15 producteurs, souvent issus d'une même organisation paysanne de base. Donc, c'est plus simple de travailler avec des petites OP de proximité où les membres se connaissent et habitent pas très loin. OK. Ensuite, donc je vais vous présenter la première étape qui est l'identification et la priorisation des aléas. Mais préalablement à cette étape, les animateurs vont introduire les objectifs de l'animation pour que les producteurs comprennent bien que le sujet est le changement climatique. Ils vont aussi les accompagner à définir l'échelle territoriale qui les regroupe et qui sera analysée tout au long de l'animation. Donc ça peut être le village, la vallée ou la montagne. Collectivement, les producteurs vont donc caractériser l'évolution du climat en comparant la situation actuelle par rapport à la situation passée. Et ils vont imaginer un futur basé sur la tendance actuelle pour faire ressortir les événements climatiques les plus impactants. Donc, à partir des aléas qui vont être décrits par les producteurs, les animateurs vont les accompagner à sélectionner les 3 aléas les plus importants, aléas qui seront par la suite analysés. Donc nous, souvent sur le terrain, on entend les agriculteurs parler de grêle, de sécheresse, de fortes pluies et de cyclones à Madagascar. OK. Ensuite, les producteurs vont construire les cycles de production. Pour cela, ils vont réfléchir aux productions végétales et animales les plus représentatives de leur territoire. Donc c'est une étape où il y a beaucoup de discussions. Les producteurs ne sont souvent pas d'accord sur qu'est-ce qui est représentatif ou pas. Bon, tu peux passer. Merci. Donc, à partir de l'échelle définie lors de l'introduction, les producteurs vont représenter les éléments qui composent et structurent le territoire qui les rassemble. Donc, malgré l'apparente complexité de cette étape,
C'est une étape qui est très interactive et les producteurs s'en sortent facilement. Donc, vous pouvez le voir sur la photo en bas à droite. Donc, au centre de la carte qui a été dessinée est représentée une zone de bas-fond. Au-dessus, on retrouve une zone de colline et au premier plan, une zone qui représente une grande plaine rizicole irriguée. Et en plus des dessins, vous pouvez voir que les producteurs ont situé des petites magnettes qui représentent des éléments un peu difficiles à dessiner, comme les animaux ou les infrastructures. L'étape suivante, c'est les producteurs qui vont essayer de simuler les conséquences des aléas sélectionnés. Donc, ils vont tourner une roue, puis analyser l'impact de l'aléa qui est tombé. L'impact sera analysé à la fois sur le calendrier, donc c'est la photo à gauche, et à la fois sur le territoire, donc la photo à droite. Et en général, pendant une séance, il y a deux ou trois aléas qui sont traités. Pour cela, ils vont poser des cartes danger, donc les cartes qui sont en rouge, sur les cycles de production et sur la carte du territoire pour situer les problèmes rencontrés. Donc, les animateurs vont noter vraiment les difficultés qui sont décrites par les paysans et ces derniers peuvent les questionner pour savoir si des solutions ont déjà été testées. Là aussi, on a une étape très interactive avec les producteurs. La cinquième étape est donc à partir des problèmes qui ont été évoqués par les paysans, les animateurs vont proposer soit d'élaborer, soit de renforcer le plan de travail annuel de l'OP. Le plan de travail, ça correspond un peu à une feuille de route que se fixe l'OP pour une année. Donc, en plus des solutions qui sont déjà testées par les paysans, les animateurs peuvent proposer d'intégrer de nouvelles activités ou des pratiques et ils vont aider les membres à les planifier. Donc, concrètement, pour vous donner un exemple, individuellement, ça peut être un producteur qui décide d'aménager des haies vives ou un bassin de rétention sur sa parcelle. Collectivement, ça peut être une organisation qui décide d'aménager des courbes de niveau ou de réaliser des actions de reboisement sur une colline, par exemple. Et enfin, donc, après l'animation, les animateurs vont transmettre un petit rapport de synthèse qui reprend les principaux échanges avec les paysans et les photos des différentes réalisations, donc le cycle de production et la carte. Ils peuvent aussi prendre en photo le paysage actuel. Donc aujourd'hui, cette étape d'élaboration du PTA a été peu testée, car nous travaillons encore sur un support d'animation. Donc il s'agit de deux bassins versants types, donc vous pouvez le voir sur la photo. Un bassin versant qui va représenter un paysage dégradé qui synthétisera les principaux problèmes rencontrés à Madagascar. Et un deuxième bassin versant qui, lui, est aménagé et qui représente les différentes solutions qui sont envisageables. L'objectif de ce support est vraiment de faciliter la prise de décision dans le choix des activités à mener. Donc, en parallèle de l'élaboration de ces derniers supports, on travaille actuellement sur un petit module de formation, un peu à la manière de ce webinaire, pour apporter aux conseillers qui le souhaitent quelques connaissances de base sur le changement climatique. Changement climatique qui est quelque chose de très systémique. Donc on a pu le constater sur le terrain, les relations de cause à effet sont parfois un peu difficiles à appréhender. Donc l'objectif, c'est vraiment que les conseillers soient plus à l'aise avec ce sujet. Donc voilà, moi, je vous ai présenté un petit peu la démarche. Je vais laisser la parole à un producteur, donc M. William, qui a participé à une séance d'animation de l'outil climat. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, William est agriculteur à Madagascar. Il va faire son témoignage en malgache et ce sera traduit par Noëlson. Merci, Noëlson. Vas-y. Rehefa nampiasa an'le fitaovana niarahana tamin'ny teknisianina izahay an, mikasika an'le fiovan'ny toetr'andro sy ny rotsakorana eto Madagascar, dia tsy nandeha lavitra fa hita teo toerana ihany ny vahaolana mety hijerevana an'izany amin'ny alalan'ireo nampianarana ny kisarisary maro loko. Donc William disait que il y a les techniciens de FIFATA qui ont fait l'animation sur les outils d'animation climat
Ils ont pensé que c'est trop compliqué l'aspect changement climatique, alors que dans l'animation, la solution était très proche d'eux et que la solution se trouve dans leur localité. Tamin'ny alalan'izay indrindra no nahitana ny namezan'izareo vahaolana sady hoe etỳ toerana ihany izany no alalana fa misy ny vahaolana azo atao amin'ny fiovavan'ny toetr'andro. Ankehitriny izao efa hita hoe azo tehirizina ny rano amin'ny fotoanan'ny fahavaratra dia ampiasaina izy amin'ny fotoanan'ny maitany. Donc pendant l'animation, il y a beaucoup d'échanges et de discussions entre eux et aussi avec les techniciens. Et les techniciens ont proposé qu'on peut stocker l'eau pendant la saison de pluie pour utiliser pendant la saison sèche. Amin'izao fotoana izao izany dia tsapanay ny fahatsaran'ny fiarahana amin'ny teknisianina ohatra indreny rehefa misy zavatra atao a na dia atao anatin'ny fotoana foerany rahana dia marisika tsara daholo ny mpikambana ary manantena ny mbola firoborobon'ny fiarahana alalana zavatra maro amin'ny alalan'ny ety toerana fa tsy voatery andeha lavitra. Ils ont beaucoup apprécié l'animation et trouve que c'est intéressant de continuer dans ce sens-là parce que ça reflète beaucoup la situation dans leur territoire. Donc, c'est en tout le témoignage par Monsieur William Denis. Merci, Joseph. Merci beaucoup William et Noëlson pour la traduction. Donc on va laisser un temps de questions-réponses qui peuvent être à la fois adressées à Alexandre ou à l'agriculteur qui a fait son témoignage. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole. Vous pouvez utiliser le chat aussi. La présentation était très claire, du coup, il n'y a pas de questions. Vous pouvez poser les questions en anglais aussi, hein, ce sera traduit. Oui, Anne. C'est pour lancer la première question. Bonjour tout le monde. Est-ce que Alexandre peut décrire un peu c'est quoi la discussion, l'échange autour du cycle de production? Merci. Oui, merci Anne pour ta question. Donc, les échanges autour du cycle de production portent, en gros, l'idée, c'est de, comme on ne peut pas analyser toutes les filières, et il y a de nombreuses filières que les membres font de façon individuelle, l'idée, c'est d'essayer de caractériser, de présenter un peu des productions qui sont à la fois communes aux membres et à la fois qui sont importantes dans la localité. Ces productions, ça va être un peu celles qui seront pratiquées par les membres de l'OP. Donc, il est important de les comprendre et notamment leur temporalité dans l'année, puisque les aléas évoluent en fonction des saisons. Donc, c'est vraiment de caractériser qu'est-ce qui est cultivé et quels animaux sont élevés au niveau du territoire. Merci. Merci Alexandre. Il y a d'autres questions? Oui, Marion. Oui, bonjour à tout le monde. En fait, je voulais juste savoir l'outil. Donc, on voit le support, la roue et tout ça. Est-ce que vous l'avez fait, c'est les animateurs qui ont construit ça ou est-ce que vous l'avez fait faire par un prestataire? C'est juste pour se rendre compte de, est-ce que c'est complexe à fabriquer ou est-ce que ça peut se faire facilement soi-même? Merci Marion pour ta question. Donc je vais répondre à une partie de la question et je vais laisser Noëlson qui co-anime le groupe de travail sur le climat à Madagascar. Donc, on est vraiment parti de support papier au début.
qu'on a testé avec les producteurs. Et puis, on a essayé de... Parce qu'en fait, on passait quand même beaucoup de temps à les préparer durant les séances. On s'est dit qu'on pouvait peut-être avoir des supports un peu fixes. Et on a décidé de travailler avec un prestataire qui a déjà créé pas mal de jeux pour Groupi Fata. Donc, je dis jeux sérieux, mais des outils de pédagogiques d'animation. Et aujourd'hui, on est en... Et ce même prestataire est aujourd'hui en train d'élaborer les dernières versions des supports. Donc, à la base, on était parti sur des choses très, très élaborées, très concrètes. Et au final, on a un peu abandonné ces supports-là pour se focaliser sur les supports papier et quelques supports type bâche ou, par exemple, la roue qui sera en plexiglas, quoi. Noëlson, si tu veux compléter, n'hésite pas. Donc, ça prend du temps pour répondre à ta question. Et ça demande pas mal d'aller-retour à la fois avec les conseillers et à la fois avec les producteurs pour se rendre compte si c'est vraiment utile ou pas d'avoir des supports finalisés. Juste pour ajouter que on a travaillé avec les prestataires sur des supports pour que les supports deviennent un peu interactifs avec les producteurs. Donc, il y a un peu une phase de conception et de discussion avec ces prestataires pour que le prestataire arrive à comprendre l'intérêt, l'objectif du jeu, de l'animation. Donc, on est dans cette phase-là actuellement. Merci. Il y a une question de Jean-Michel Soreau qui demande est-ce que les productions animales sont également concernées par le travail de diagnostic ? Oui, les productions animales sont concernées. Alors, ça dépend un petit peu de la sensibilité de l'organisation paysanne qui va suivre l'animation. Si certaines d'entre elles sont spécialisées sur le poulet, par exemple à Madagascar, les cycles du poulet gas seront décrits et les différentes zones de culture liées à l'alimentation des poulets seront analysées au niveau du territoire. Mais ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est important pour les membres de l'OP. Mais oui, c'est en effet important d'avoir aussi la diversité des systèmes d'élevage. Merci. Il y a une question de Calvins. Alors, est-ce que je laisse l'interprète la poser ? Oui, merci. Merci. Est-ce que Alexandre ou William, vous voulez répondre? On peut laisser la parole au producteur, peut-être. J'ai pas entendu toute la question, je suis désolé. En gros, est-ce qu'il y a eu des adaptations qui ont été faites suite au diagnostic, en fait? William? Noëlson, est-ce que William souhaite répondre? Et si oui, est-ce que tu peux traduire dans la foulée, s'il te plaît? Dans les animations indées. Oui, je suis en train de lui transcrire la question. Il va répondre. Merci. Zavatra tonay taorina le animation de jery fotiny amin'ny zava-misy satria asaretsaina le izy teo amin'ny fampianarana izay natao amin'ny le voalaza teo hoe tamin'ny alalan'ny kisarisary maro loko no nampitana an'le izy an ahatra adiny telo ny fampiresahana tao an dia natao kariary le zavatra natao rehefa taorinan'ny animation natao iny an fa tsy le teo ambony latabatra intsony dia natao ny fampiarana ny zavatra nisy. Donc, après l'animation, ils ont allé directement sur leur terroir pour regarder ce qui est la partie la plus menacée pendant l'animation.
Et là, ils ont proposé des actions plus concrètes à concrétiser dans leur plan d'action avec le groupement. OK, merci beaucoup. Je propose qu'on arrête sur les questions-réponses. Ah, pardon, il y a une dernière question de Pierre Placide Zongo. Bonjour à tous. Dans le témoignage, le producteur a parlé de la possibilité de stocker l'eau pour l'utiliser après. Je voulais savoir si c'est la seule solution ou bien s'il y a d'autres solutions. Et je propose, Pierre, qu'on ait la présentation de Noëlson qui va présenter les différentes solutions de gestion, de stockage de l'eau. On garde la question et on pourra la poser après sa présentation. Donc, Noëlson, je te laisse la parole, s'il te plaît, et puis on garde cette question. Merci beaucoup, Joseph. Donc, on va parler de solutions techniques de l'expérience à Madagascar. Avec les changements climatiques actuels qui sont devenus des réalités, les producteurs sont très difficiles pour les producteurs de gérer l'excès d'eau en période de pluie. Il y a aussi le manque de couverture du sol qui entraîne des érosions et puis ruissellement, donc moins d'infiltration d'eau dans le sol. Et ce qui se répercute dans la saison sèche par la difficulté d'accès à l'eau et le tarissement des sources et impactant directement sur les cultures et la vie sociale des producteurs. Il y a des conflits pour accéder aux ressources d'eau. Ce qui a poussé donc les techniciens et puis les producteurs de chercher des solutions pour faciliter cet accès à l'eau. OK. Et dans l'approche, on est parti de l'amélioration des pratiques paysannes avec la mobilisation d'expertise telle le génie rural et la concrétisation des projets par la contribution des producteurs dans la construction, les main-d'œuvre et puis l'apport en matériaux locaux disponibles dans leur localité. Et puis des capitalisations et formations de paysans relais maçons pour diffuser plus largement. Dans les techniques développées, on peut citer des captages et stockages de l'eau, des puits, des bassins, des forages, selon les sources d'eau, que ce soit nappes phréatiques ou autres. Et puis des techniques de pompage et distribution pour ceux qui ont les moyens. Et la gestion de l'eau au niveau des parcelles, soit par l'aménagement des bassins versants, et aussi la pratique de l'agroécologie. Et là, on peut passer. Sur ces photos-là, il y a deux types de bassins. Sur la première photo, il y a deux types de bassins. L'autre par canalisation des sources et puis stockage. Et l'autre par stockage de l'eau pendant la saison de pluie. Il y a aussi l'utilisation des puits habituellement utilisés dans la consommation, mais actuellement dans l'arrosage des parcelles. L'utilisation des motopompes pour les parcelles proches des rivières et cours d'eau. Et aussi les pompes à pédales pour remonter l'eau dans la parcelle, mais qui demande un peu plus de force. OK. Et il y a encore aussi des solutions en phase exploratoire et test, l'utilisation de par irrigation par goutte à goutte. Le problème, ce sont les vols et puis le déplacement des matériels pendant la préparation du sol. Il y a aussi en phase de test l'utilisation des OIA en argile, en pot d'argile. On met deux pots d'argile de côté sur les agrumes et c'est intéressant, surtout pour les arbres fruitiers. OK. Et pour les gérer l'eau au niveau des parcelles, les pratiques agroécologiques sont les plus adaptées. Il y a donc l'utilisation par des techniques de compostage
pour utiliser les matières organiques pour améliorer la structure du sol, améliorer la capacité de rétention d'eau du sol et aussi l'aménagement des bassins versants, soit par des haies vives, soit par des cultures de courbes de niveau. Aussi, on peut passer dans les diapos suivants. Ok, c'est bon, Noëlson, j'ai mis sur la compréhension. Ok. Et il y a aussi les techniques pour la valorisation de l'eau au niveau des parcelles, comme l'agroforesterie, qui fait bénéficier de cultures en même temps pendant l'arrosage. Donc là, on voyait l'agrume avec les braids là, à l'intérieur des agrumes. Et ça permet d'arroser en même temps l'agrume et puis les petites cultures, les cultures maraîchères dans l'intercalaire. Il y a aussi le système de paillage et couverture du sol avec des paillages mortes qu'on utilise souvent pour limiter l'évapotranspiration du sol. Là, sur la photo à côté en bas, on pousse les producteurs à planter des plantes à forte capacité d'eau, de rétention d'eau, comme les bananiers, les raffias. Mais ceux qui sont les plus adoptés, ce sont les bananiers parce que les fruits, ils sont mangés par les producteurs ou vendre. Et les feuilles et troncs sont utilisés dans la fabrication de compost. Et là, à côté, il y a aussi la rotation et association de cultures qui permet de faire la rotation des cultures selon les besoins en eau des plantes. Et à mon côté, il y a un producteur qui va témoigner de sa situation avant et ce qu'il a adopté comme solution chez lui. Dai teo aloha dia sitra ngana mafy dia mafy rehefa indrindra fa fotoana ny mainandro satria tsy misy ny rano dia miena ny tany azonay vodena miena arak'izay koa ny vola miditra aminay. Donc Fund, il a parlé de sa situation à fond, que la difficulté d'accès à l'eau réduit les parcelles à leur disposition, exploitées à leur disposition. Et ce qui réduit aussi la production et le revenu en même temps. Il y a déjà donc quelques années qu'ils ont mis en place des bassins de rétention d'eau, dont ils ont apporté les briques, les mulons et aussi la main d'œuvre pour creuser, pour bâtir le bassin. Et ce sont les FIFATA qui ont apporté les ciments. Compost à cette source, ni l'ombre compost. Donc, après avoir les bassins, donc, ça leur permet d'avoir des stocks d'eau pour étendre un peu dans les parcelles et aussi permettant de faire des cultures pendant que les prix de vente sont intéressants, ce qui permet à lui de procurer de l'argent. Et en même temps, ils ont vu que la pratique des composts, ça permet d'améliorer le sol et aussi la capacité de rétention en eau du sol. Donc, vu ces intérêts-là, donc, ils ont actuellement trois bassins
qu'ils ont fabriqués à leurs propres moyens. Donc, voilà la présentation pour le parti de Madagascar. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup à tous les deux. C'est vraiment bien d'avoir ces témoignages paysans. Donc, il y a plusieurs questions qui sont posées dans le chat. Je vais les prendre dans l'ordre. La première, c'est Daniel de CGA qui demande quelle est la durée de vie d'un bassin de rétention. Et dans les bassins de rétention, est-ce qu'on utilise une bâche plastique, un liner, hein? Est-ce qu'on utilise une bâche plastique au fond du bassin? Vous pouvez déjà répondre à cette première question. Pour les bassins, on utilise surtout les sécalites. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire plus sur les sécalites, mais ce sont des produits mélangés avec le ciment pour que ça devienne imperméable. Donc, il n'y a pas de bâche utilisée, donc, mais ce sont ces deux produits qui sont mélangés. Et pour la durée de vie des bassins, donc c'est fonction de la solidité des constructions. Donc, on les fait en mur 22 et puis on laisse aux producteurs de chercher des maçons expérimentés dans la construction pour que ça soit très dur et de voir aussi l'emplacement. Que ce ne soit pas dans les ruelles où tout le monde passe et qu'il y a beaucoup de pression qui va agir sur les bassins et que la durée va être très raccourcie après. Merci. Il y a ensuite une deuxième question de la part de François. Quelle est la pratique la plus avantageuse? Alors, je pense que la réponse n'est pas forcément unique, hein, mais... est-ce qu'il y a une pratique de gestion de l'eau qui est plus avantageuse ou est-ce qu'il faut s'adapter à chaque contexte pour y répondre? Les contextes sont très différents, donc il faut adapter à chaque contexte. Par exemple, c'est différent des sources d'eau. Parfois, les sources d'eau, ce sont des nappes phréatiques, donc il faut s'attendre à cela. Parfois, les sources d'eau, il faut des canaux d'irrigation et puis stocker dans un endroit. Donc, c'est fonction donc des contextes que vivent les producteurs. Et merci. C'est pour ça qu'on a mis des paquets de techniques pour les conseillers. Merci. Donc, il y a une question de la part de Jean-Michel qui demande le coût moyen d'accès ou de construction d'un bassin de rétention d'eau. Alors, si on donne des coûts, ce ne sera peut-être pas très significatif pour les autres pays parce que c'est spécifique à Madagascar. Mais peut-être vous pouvez redonner, Noëlson, là, tu peux redonner un coût moyen et surtout quel est l'apport des producteurs dans le coût total du bassin. Merci, Jean-Michel. Donc, c'est fonction aussi des dimensions et de la profondeur, mais à titre d'illustration et des coûts de matériaux aussi qui sont devenus, qui augmentent de temps en temps. Mais le prix qu'on a fait dernièrement pour une dimension de 3 mètres de large et puis 3 mètres de long et 2 mètres de profondeur, c'est à peu près 300 euros. Et dans tout ça, l'apport des producteurs sont la construction, donc ce n'est pas dans le coût. Là aussi, les main-d'œuvre, les moellons, si c'est exigé, les briques, la moitié des briques. Merci beaucoup. Je pense que ça répond en grande partie à la question de Nicolas de CGA qui demandait quelle était la capacité des bassins de rétention. Mais comme tu as donné les dimensions, il va pouvoir la calculer lui-même. Et il mentionne également, est-ce qu'il n'y a pas un risque de noyade puisqu'on voit que les bassins ne sont pas protégés? J'ai posé la même question lors de ma dernière mission au Burkina Faso à propos des puits.
Donc, on m'a répondu que non, les gens avaient l'habitude, mais je laisse peut-être Noëlson répondre pour Madagascar. Oui, peut-être je laisse au producteur de répondre à ça. Il y a donc un moment si on a dit. Donc, tu as pris fond et tout le monde connaît pendant la construction et tout ça que c'est profond et que tout le monde prend les précautions de ne pas se balader à côté. Merci. Et il y a une dernière question de la part de Samuel de CGA qui demande comment les producteurs s'approprient les bassins et qui a le droit d'utiliser l'eau. Donc, est-ce que le bassin, ils ont l'impression que c'est une dotation d'un projet ou est-ce que ça leur appartient vraiment et qui a le droit d'utiliser l'eau? Merci. La question peut-être à l'agriculteur. Hein. Oui, je vais traduire. Donc le bassin c'est à l'OP, donc c'est les membres d'OP aux alentours qui vont l'utiliser. Il y a aussi d'autres qui sont intéressés, qui ne sont pas dans l'OP, qui vont négocier avec l'OP comment pouvoir utiliser le bassin. Ok, merci. Pour les traducteurs OP, c'est organisation paysanne. Hein. Merci, je ne vois plus de questions dans le chat. Est-ce que certains souhaitent encore lever la main pour poser une question? Plus de questions. Très bien, ben merci beaucoup. On voit que le Kenya est très intéressé par les problématiques de gestion de l'eau. Donc, je propose de laisser la présentation, la place à Arnaud, donc Arnaud Sommet, qui est technicien FERT en Côte d'Ivoire et qui va présenter plus spécifiquement les solutions d'irrigation en goutte à goutte. Arnaud, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Eh bien, on te laisse la parole pour cette présentation. Merci. D'accord, merci. Ok, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire ici, les cultures maraîchères se font en deux saisons, en saison pluvieuse et en saison sèche. Et c'est surtout en saison sèche que les producteurs ont d'énormes difficultés pour arroser leur culture. Voilà. Et les principales sources d'eau sont, voilà. Là, vous avez un système d'irrigation large spray sur lequel on va en parler au cours de la présentation. Il nécessite une source d'eau que vous voyez à votre droite, un système de refoulement et des asperseurs pour pouvoir envoyer l'eau à des rayons de 5 mètres. Donc, ce système actuellement est beaucoup prisé par les producteurs actuellement. Il faut dire que les sources d'eau ici, en fonction des localités, vous avez des localités où je travaille qu'avec des puits au niveau des bas-fonds. Après la saison des pluies, lorsque l'eau se retire, ils creusent des puits de 1 à 10 mètres en fonction de la nappe de la localité. Voilà. Et pour ceux qui ont la chance d'être au bord d'une rivière ou d'un barrage, ils arrivent à exploiter ces sources d'eau-là. Voilà, donc voici, nous avons voilà, maintenant pour le pompage, voilà, également en fonction des moyens, et il faut dire qu'ici, il y a des producteurs qui arrivent à s'acheter des systèmes d'irrigation et d'autres ne sont pas encore arrivés à un niveau économique pour pouvoir le faire. Donc, nous avons toujours des producteurs qui utilisent l'arrosoir manuel et à d'autres qui arrivent à s'acheter des motopompes pour la distribution de l'eau. Le coût moyen ici, c'est autour de 150 à 300 000 francs. D'accord, pour la distribution sur les parcelles, voilà, le premier système d'arrosage ici, c'est le système manuel que vous voyez en image.
Voilà. Ça se fait surtout au bord d'une retenue d'eau que vous voyez dans la première image à l'extrême gauche là. Généralement, il s'approche des retenues d'eau pour pouvoir réduire la distance de marche. Voilà. Et c'est surtout fait. Voilà. Le deuxième système que nous rencontrons, que les producteurs utilisent ici, ça nécessite un peu de moyens. Voilà, parce que là, il faut avoir une motopompe, avoir de la tuyauterie pour pouvoir envoyer l'eau. Mais là, c'est toujours, je dirais, semi-manuel parce qu'il faut parcourir le champ avec un tuyau flexible pour pouvoir arroser son champ par inondation. Ça nécessite également beaucoup d'eau, ce qui n'est pas forcément... voilà, ce qui ne permet pas de bien gérer l'eau. Voilà. L'autre système d'irrigation, c'est le système californien qui permet de localiser l'eau sur les planches directement. Voilà, vous voyez à travers ces deux images. Lorsque les plantes sont toujours jeunes, il y a un système qui permet de réduire la force de l'eau pour que ça ne puisse pas déranger les jeunes plantes. Et à un certain âge, on peut arroger les planches sans forcément réduire cette pression-là. Et ce système, c'est aussi... Voilà, ce système nécessite également l'utilisation d'une motopompe. Voilà. C'est bon. Voilà. Là, nous avons un producteur de Béomi qui est avec nous, Jumeau, qui va nous partager un peu son expérience sur l'irrigation. Je me nomme Guessan Kwaku Marus, producteur à Niabra et PR au niveau de... Et là, c'est un système d'irrigation du nom de Lazespre qui est très favorable aux producteurs, aussi rapide à l'arrosage. Il est très avantageux et ça nous fait évoluer en arrosage. Ça nous prend moins de temps que le système Californie qu'on tirait le raccord la main. Et voilà le système qui est là, le Lazespre. Toute l'archiface est inondée, disons. Et ça ne pose aucun problème au niveau des plantes aussi. Mais c'est l'enherbement aussi qui est un peu trop. Ça fait pousser les herbes puisque toute la surface est inondée. Et aussi, il faut dire que en termes de rendement aussi, comme les plantes sont mouillées jusqu'à fond, la pollution est bonne. Le système Lazespre pour l'heure, c'est l'un des meilleurs systèmes d'irrigation au niveau de la Côte d'Ivoire. Tous les producteurs aimeraient bien avoir ce système d'irrigation. OK. D'accord. Comme le disait Jumeau, actuellement, le système... Joseph, tu peux revenir sur cette image-là. Voilà. Ce système actuellement, c'est le système le plus prisé actuellement par les producteurs que nous accompagnons parce que c'est un système qui peuvent, pour certains, facilement l'acquérir parce que c'est moins cher que le bout à bout. Également, ça leur permet de gagner en temps d'arrosage. Ce qui est intéressant, c'est comme s'il pleuvait, au fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Les producteurs ont remarqué que ce système les arrange plus en gain de temps et en efficacité d'arrosage, d'irrigation. Oui, on peut aller. Ce système, c'est le goutte à goutte. Il est vrai qu'il est efficient, c'est reconnu. Mais pour l'heure, nos producteurs actuellement ne sont pas forcément en mesure d'acquérir ce système d'irrigation qui est un peu coûteux pour eux.
vu qu'ils n'ont pas forcément une trésorerie assez importante. Donc, du coup, ils préfèrent se rabattre sur le laser spray. Mais certains, quand même, arrivent à avoir ces situations-là, bien qu'ils soient rares. Oui, la qualité de l'eau aussi. L'autre contrainte, c'est que pour pouvoir utiliser ce système, il faut avoir une qualité d'eau assez propre. Voilà, il faut également maîtriser le système, ce système pour pouvoir nettoyer les filtres à tout le temps, ce qui n'est pas forcément le cas chez certains producteurs. Lorsque ce sont des projets ou des programmes qui les installent pour eux, voilà, le constat est qu'il y a plein d'OP qui ont reçu ces systèmes d'irrigation, mais ça n'a pas eu une longue durée de vie parce que l'entretien n'a pas été trop, ça, il n'y a pas eu de formation derrière ces aménagements et du coup, le système a pris un coup. D'accord. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui commençaient à poser des questions sur la durée d'irrigation. Donc là, nous avons un tableau qui synthétise un peu les différentes performances de ces systèmes que nous avons en Côte d'Ivoire ici. Et également, en fonction des systèmes d'irrigation, lequel des systèmes crée des maladies aux cultures et lequel également permet de lutter contre les insectes et les maladies. Donc, vous avez le tableau qui est là. Et déjà, du manuel au goutte à goutte, on voit que le temps d'irrigation s'est réduit, voilà, du système manuel, système mécanisé. Également, on voit une différence sur le coût. Voilà. Pour ce qui est du californien, il y a beaucoup de producteurs actuellement qui sont toujours sur le californien parce qu'ils n'ont pas cette trésorerie pour pouvoir s'acheter le laser spray ou le goutte à goutte. Voilà. Maintenant, il y a certains aussi qui arrivent à faire cette transition entre le californien et l'aspersion. Voilà. Également, l'autre contrainte, c'est au niveau du débit. Pour le laser spray, c'est vrai qu'actuellement, les producteurs préfèrent ce système, mais ça nécessite vraiment un bon calibrage, une bonne motopompe assez performante et puissante pour pouvoir avoir un débit d'au moins 6 mètres cubes afin de pouvoir asperger à une largeur de 5 mètres de voilà. Donc c'est un peu ça les différents systèmes ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Et l'impact sur les ravageurs, il faut dire, tu peux revenir Joseph s'il te plaît. Voilà, l'impact sur les ravageurs, le système d'inondation et californien, il faut dire que ça, l'eau vient directement sur les cultures. Et comme on le sait ici, le taux d'humidité étant élevé dans l'air, en plus de ces deux systèmes d'irrigation, on observe l'apparition de maladies fongiques ici, qui sont assez récurrentes ici en Côte d'Ivoire. Par contre, avec le système d'aspersion et de goutte à goutte, on voit que ça réduit légèrement ces maladies-là. Par contre, avec le laser spray, le goutte à goutte, on a l'apparition d'insectes parce que les feuilles ne sont pas touchées par, surtout pour le goutte à goutte, les feuilles ne sont pas touchées par les insectes, c'est directement au niveau du pollen et ça permet à ces insectes-là de se développer. C'est un peu ça les avantages et les différentes contraintes liées à ces systèmes d'irrigation. Il faut dire aussi que le laser spray aussi, en utilisant le laser spray, il y a des acariens qui ne peuvent pas tenir l'eau. Donc, comme l'eau verse directement sur le pH, ça fait que ces insectes ne peuvent pas tenir et attaquer le champ. Oui, Joseph. OK. Là où nous avons deux images qui illustrent un peu la gestion de l'eau ici pour le moment chez nos producteurs à travers des techniques de paillage. Voilà. Actuellement, dans les OP, il y a des producteurs qui arrivent à pailler leurs différentes planches grâce aux résidus de culture, notamment la paille de riz
voilà, que vous voyez à l'image à votre gauche. Et à votre droite, vous avez une image de planches, c'est des buts. À l'intérieur, c'est des cultures qui sont à l'intérieur et qui permettent de localiser l'eau sur, sur ces planches-là. Voilà. Donc, pour le moment, ce sont ces deux systèmes qui sont beaucoup utilisés pour économiser l'eau. Mais nous sommes en train de travailler actuellement pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre des haies vives autour des différentes parcelles pour pouvoir mieux gérer tout ce qui est évaporation d'eau, pratiquer l'arboriculture également dans les différentes parcelles ici, pour gérer un peu l'évaporation d'eau et pourquoi pas faucher ces haies vives-là pour faire du compost avec. Donc, voici de manière ramassée ce qu'on pouvait dire sur le pompage et la distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Voilà. OK. Là, c'est le levier. Voilà. Les différents leviers que nous avons ici, c'est vraiment limiter les pertes d'eau, voilà, à travers un système d'irrigation. Voilà. Et également pour éviter l'évaporation d'eau sur les parcelles, les techniques de paillage, d'agroforesterie, de heavy, comme je le disais tantôt, sont en train d'être réfléchies pour être mises en place au niveau des producteurs. Et également, actuellement, c'est une activité qui est déjà mise en place et qui doit se développer actuellement. C'est l'utilisation de matières organiques, voilà, que les producteurs ont reconnu être important dans la rétention d'eau dans le sol. Voilà. Également éviter les cultures gourmandes en saison sèche. Voilà. Donc, à travers des sessions de formation, ces différents points-là sont révisés avec les producteurs pour une meilleure gestion de l'eau dans leur exploitation. À travers les conseillers, bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Arnaud et Jumeau, pour les présentations et les témoignages. Alors, il y a plusieurs questions qui ont été posées, dont une question de Jean-Michel à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure, donc je reviendrai pour la présentation, madame. Et une question déjà de Kader sur l'irrigation par inondation. Quelle est la fréquence d'arrosage nécessaire? Alors, j'imagine que ça dépend du contexte, mais est-ce qu'on peut apporter une réponse? Saison plus, la fréquence d'arrosage. Bon, c'est chaque 3 jours, hein. Saison plus 12. Chaque 3 jours. Le système d'irrigation en saison pluvieuse, on le fait chaque 3 jours. Okay. Et en saison sèche, on le fait tous les jours. Tous les jours en saison sèche, chaque 3 jours en saison. En fonction du système d'azès-fruit. Sinon, en Californie, c'est chaque 1 jour. On le fait chaque jour. Donc, on ne peut pas le prendre 2 jours parce que c'est fatigant. Donc, si c'est avec le système d'azès-fruit, chaque jour, on fait la recherche plus sur le temps. Qui est donné un peu moins limité, ça ne nous prend pas trop le temps. On le fait toute la journée, toute la semaine. Mais il faut dire, si c'est en Californie, vu le temps, même quand tu vas commencer, je crois, à 7h, de 7h à midi, 14h, ça prend plus de temps. Ça fait qu'on ne peut pas tout le temps arroser, sinon que le corps est fatigué. Mais si, comme le système, l'ADS-FRU est un système qui est un peu favorable et moins fatigant, c'est les gaines qui sont dressé, tu ne fais qu'ouvrir les vannes et l'eau sort par les vannes. C'est rapide. Donc, on peut même pisser 2 fois dans la journée. Ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut dire qu'en fonction des saisons, la fréquence d'arrosage varie et c'est surtout à l'observation. Voilà, c'est surtout à l'observation. Et pour le système laser spray, c'est un système qui permet d'envoyer assez d'eau sur les cultures, ce qui permet de vraiment permettre à la, ce qui permet à la plante de bien se nourrir, se développer, ce qui montre ce taux de rendement, d'efficacité de ce système-là. Et ça permet également aux producteurs de gagner en temps.
c'est tout. OK, merci. Donc, on comprend bien que le système laser spray est plus économe en eau et en temps, mais qui nécessite un peu plus d'investissement au départ. Il y a une question de Anne sur est-ce qu'il y a des vols du matériel dans les champs ou est-ce qu'une fois que vous avez installé, il n'y a pas de problème? Bon, sur l'histoire des vols, pour le moment, on n'a pas de problème sur le vol de matériel sur le terrain. Pas de problème. Très bien. Et une autre question de Anne et de Marion qui repose un peu aussi cette question sur est-ce que le fait d'irriguer les cultures ou d'avoir un système en laser spray favorise le développement des ravageurs et des maladies? Alors, vous l'avez un peu évoqué dans le tableau tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce problème de ravageurs et de maladies? Tu peux revenir sur la... Voilà. Donc, comme je le disais sur Rambo, en fonction du système d'irrigation, pour tout système qui arrose les feuilles, à savoir l'inondation, le californien et le laser spray, et de manière graduelle, ces deux systèmes, à savoir l'inondation et le californien, contribuent à avoir beaucoup plus de maladies sur les cultures. Par contre, le goutte à goutte, ça, l'eau vient directement au niveau des pieds des plantes. Là, ça crée moins de maladies. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les ravageurs, voilà, les ravageurs, les insectes et autres, le système laser spray réduit l'impact de ces ravageurs-là parce que c'est généralement des ravageurs qui se trouvent sur les feuilles et les tiges. Et le fait que l'eau arrive par-dessus, ça permet de chasser ces insectes-là. Et c'est ce qu'on peut, on révèle ici. OK, très bien, c'est clair. Il y avait une petite question de Marion sur que signifie le nombre d'années sur le tableau, là. Deux ans, trois ans. Le nombre d'années, c'est la durée de vie du système. Hein. Okay. Voilà, c'est la durée de vie. Ça veut dire, pour un investissement pour les Californiens de 200 000, ça peut tenir deux ans. Pour le laser spray, pour un investissement de 1 800 000, ça tient deux ans également. Et pour le goutte à goutte, ça peut tenir trois ans. C'est la durée de vie du système. Ça marche. Il y a une nouvelle question de Samuel, de CGA, qui demande sur la qualité de l'eau, est-ce qu'on utilise l'eau de souterraine et est-ce que ça nécessite un pré-traitement avant de l'utiliser? Pour le moment, en Côte d'Ivoire, ici, ceux qui utilisent le laser spray n'utilisent pas de filtre depuis l'aspersion, ce qui fait qu'on a un bon nombre de producteurs qui se retrouvent après quelques cycles de production avec un matériel qu'il faut renouveler. Voilà. Mais là, nous sommes en train de travailler avec les producteurs pour les amener à introduire les filtres dans leur système d'irrigation afin de permettre au système de durer plus longtemps. Voilà. Maintenant, pour la qualité de l'eau, il faut dire qu'on a un peu de chance ici. Les zones ne sont pas très batteuses, elles ne sont pas très tôt. Donc, du coup, on n'a pas un très gros souci comme dans certains pays sur la qualité de l'eau. OK, merci. Il y a une question de Kader du Burkina qui demande sur le système de par inondation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'asphyxie et de tassement du sol? Bien sûr qu'il y a, un risque. Ce n'est pas un système que nous conseillons même aux producteurs. C'est ce que je disais à l'entente, c'est en fonction des moyens. C'est en fonction des moyens. Et avec ce système, il faut dire qu'après l'inondation d'une parcelle comme ça, le producteur peut faire 2-3 jours
sans arroser la parcelle parce que c'est vraiment de l'inondation. Quoi. Ça veut dire les premiers jours d'arrosage, les plantes vont prendre un coup et après, reprendre leur vie pour être. Ok, merci. Et une dernière question, mais qui s'adresse plutôt à Noëlson et William. C'est pour Madagascar, les bassins de rétention, quelle est la durée de vie moyenne d'un bassin? Merci Jean-Michel pour la question. Donc, d'après Founz, le producteur qui a témoigné, son bassin, il l'a déjà construit il y a déjà 6 ans. Et il n'y a pas encore des fissures ou réparations à faire, mais pour répondre directement, c'est comme des constructions qu'on fait. Merci. Oui, Nelson. Donc, j'ai dit que c'est comme toutes les constructions. Et Fund, il a témoigné qu'il l'a fabriqué, lui, il y a déjà 6 ans et qu'il n'y a pas encore des fissures ou des petites entretiens à faire. Donc, c'est comme toutes les constructions. Donc, pour lui, il a estimé que la durée de vie, ça peut aller d'une quinzaine d'années. Pour sa construction. Ok, merci. Peut-être aussi préciser que les matériaux utilisés sont des matériaux qu'on trouve localement en général. En tout cas, vous parliez de la brique, du ciment. Peut-être juste sur les matières, ce que tu appelais le SICA, là. C'est peut-être ça où ça demande d'aller chercher à l'extérieur des matériaux. Mais sinon, on essaye de faire au maximum avec les matériaux locaux. Voilà, une question d'Eric de CGA qui demande pendant la saison la plus sèche où il y a assez peu de végétation, est-ce que vous arrivez à faire du paillage? Je pense que c'est pour soit Côte d'Ivoire, soit Madagascar. Hein. Oui, ici, pendant la saison sèche, on arrive à faire du paillage et c'est même conseillé aux producteurs. Pour vraiment limiter l'évaporation d'eau. Voilà, parce que déjà en saison des pluies, ici en saison des pluies, c'est les riz qu'on produit beaucoup et autour des retenues d'eau. Et du coup, en saison sèche, ces résidus sont utilisés pour faire du paillage. Merci. Pour Madagascar. Oui, c'est comme ça aussi. Les paillages sont surtout utilisés pendant les saisons sèches où on limite l'évapotranspiration. Donc là, il y a beaucoup de broussailles qui sont asséchées. Donc c'est là que les producteurs coupent pour couvrir les parcelles. D'accord. Et une dernière question, toujours de Eric de CGA au Kenya, qui demande comment on peut faire pour diffuser ces technologies de gestion de l'eau. Est-ce qu'on travaille avec des agriculteurs pilotes ou en tout cas leaders, ou est-ce qu'on s'adresse à tout le monde en même temps? Ok. Au niveau de la Côte d'Ivoire ici, nous, on procède par des ateliers de formation à la base. Ça veut dire on trouve le sujet de l'atelier. On prépare l'atelier et on va vers les producteurs pour animer cet atelier-là avec eux. Donc, du coup, ça permet à un nombre important de producteurs de prendre connaissance de la technologie et de l'appliquer. Voilà. Mais généralement, on demande à ce que chaque technologie puisse être mise en place par les PR afin que les autres puissent facilement suivre sur le terrain. Merci. Pour Madagascar? Oui, ici à Madagascar, il y a beaucoup les
le travail avec les conseillers agricoles de proximité qui sont très proches des producteurs. Donc, il y a discussion, il y a remontée des besoins. Mais il y a aussi l'outil d'animation climat qui va beaucoup nous aider là-dessus sur à faire des diagnostics et après apporter les conseils nécessaires aux organisations paysannes pour leur plan d'action. OK. Merci beaucoup à vous tous pour toutes ces questions et pour les réponses qui ont été apportées. Je propose maintenant de peut-être laisser la parole à Laurent Poupart, donc, et comme il s'est présenté au début, qui est un agriculteur, mais qui est aussi un élu agricole, qui a des responsabilités, notamment au niveau de Groupama, qui est une assurance agricole en France. Donc, qu'est-ce que ces présentations vous inspirent, vous, en tant qu'agriculteur et responsable élu? Merci Joseph. Bah écoutez, hein, en tant qu'agriculteur et puis aussi connaissant un petit peu Madagascar quand même, moins la Côte d'Ivoire malheureusement, vous imaginez que j'ai été très attentif à tout ce qui était dit et puis je pense que vous, collectivement, vous avez bien tous bien posé les problématiques du changement climatique, hein, et de la gestion de l'eau en agriculture, et vous avez aussi bien présenté les différentes solutions que vous mettiez en place dans vos à la fois à Madagascar et en Côte d'Ivoire. Alors moi, ce que je retiens tout d'abord, le premier point, c'est vous dire que ce changement climatique, il n'est pas spécifique à Madagascar, à la Côte d'Ivoire, mais il concerne vraiment tout le monde. Nous, en France, on est aussi concerné par ce problème de sécheresse et de changement climatique. Hein. Le réchauffement, c'est vraiment une réalité. Il faut bien prendre conscience que c'est pas quelque chose qui va impacter l'agriculture ponctuellement, mais c'est un impact qui sera durable et en plus, ça risque de s'aggraver. Ça, il faut vraiment en prendre conscience. Alors vous étiez tous les producteurs qui ont pu témoigner aujourd'hui, vous êtes des producteurs avertis, j'ai envie de dire, vous en êtes bien conscients, mais on sait aussi que sur le terrain, certains peuvent un petit peu subir sans forcément réagir, et c'est ça qui est un petit peu plus inquiétant. Je pense que justement cette prise de conscience, elle doit être collective, c'est une prise de conscience qui doit nous faire comprendre qu'on peut plus cultiver comme avant avec les mêmes méthodes culturales, hein, peut-être pas avec les mêmes rythmes de production, hein, là où on faisait peut-être 2-3 cultures dans une année, on ne pourra peut-être plus travailler de cette manière-là. On ne pourra peut-être même plus non plus faire les mêmes cultures. Hein, tout ça, vous allez avoir des problématiques d'eau, mais ça peut être aussi des problématiques de température. Et voilà, ce changement climatique, c'est vraiment quelque chose qui va changer notre agriculture demain et puis aussi un petit peu notre façon de travailler. Alors ça, je pense qu'il faut l'accepter, bien prendre conscience de ce qui nous attend, hein, et surtout accepter de se remettre en question. Et ça, c'est un premier pas, mais c'est absolument essentiel. Alors quand on a pris conscience, hein, bien entendu, maintenant il faut savoir ce qu'on fait, hein, faut trouver des solutions, on peut pas rester là sans subir. Alors vous avez essayé, vous avez expérimenté pas mal de choses, hein, et c'est très bien ce que vous faites, hein, mais on se rend compte aussi que la réponse, elle peut pas être la même partout, elle peut pas être ça peut pas se faire de la même manière, hein, répondre aux enjeux de la gestion de l'eau, du changement climatique, elle peut pas, c'est pas la même solution, on n'a pas la même solution partout, que ce soit pays par pays, on n'a pas les mêmes solutions, que ce soit territoire par territoire, mais aussi des fois entre villages, hein, les solutions sont différentes parce que le contexte tout simplement il est différent, les problèmes, ça peut être des problèmes de sécheresse, de chaleur, mais aussi des villages plus impactés peut-être par l'érosion, par l'inondation et toutes ces choses-là. Voilà, donc les moyens aussi peuvent être aussi les moyens mis à disposition dans les différents territoires, les différents villages, tout ça simplement par des problèmes d'accessibilité de l'eau, hein, peuvent être différents. Donc, on a forcément autant de, j'ai envie de dire qu'on a autant de réponses et de solutions qu'on peut avoir de villages. Quand on recherchait des solutions, ça passe d'abord par plusieurs phases, tout d'abord par une phase d'analyse, et je pense que ce qui était
présenté tout à l'heure par l'outil climat, hein, c'est vraiment important. C'est un outil, à mon avis, qui doit aussi faire réfléchir, et ça, c'est important. Cette analyse, pour moi, elle doit se faire aussi collectivement, et je pense que c'est ce qui se fait à Madagascar, hein, justement, et avec derrière une vraie réflexion, une vraie identification des problématiques qui sont assez particulières pour chacun des villages, hein. Et puis cette réflexion, cette analyse et cette réflexion, elle doit aboutir sur des différentes solutions. Ces solutions derrière, ça nécessite toute une phase d'expérimentation. Surtout sur ces phases d'expérimentation, il ne faut surtout pas partir avec des a priori, avec des certitudes, hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de ses habitudes. Je pense que la culture agricole, c'est une culture très conservatrice, hein, et on a du mal parfois à se remettre en question, et ça, vraiment, je pense que cette remise en question, elle est absolument essentielle. Il faut faire des expérimentations sans a priori. Il ne faut surtout pas hésiter non plus à les multiplier. Il faut savoir que ça a toujours été quand même les expérimentations, que ça n'importe dans n'importe quel pays, hein, c'est toujours été les expérimentations qui ont fait avancer, qui ont fait vraiment évoluer l'agriculture. Et je pense que c'est aussi de cette manière-là qu'on répondra aux enjeux qui sont devant nous. Alors, je parlais de phases d'expérimentation. C'est des expérimentations qu'il faut tout d'abord discuter ensemble, des expérimentations qui peuvent être aussi partagées, tout simplement pour partager les tâches, et puis chacun sa façon de travailler, et donc les expérimentations peuvent aussi peut-être réagir différemment selon les agriculteurs. C'est des expérimentations aussi qu'il faut pouvoir vraiment bien les apprécier, pouvoir bien apprécier les résultats pour que ce soit des expérimentations efficaces. Et puis, ces expérimentations, là, on a beaucoup parlé d'eau, d'arrosage et tout ça, mais je pense que sur ce sujet de la gestion de l'eau, je pense qu'il faut faire des expérimentations qui concernent un petit peu tous les leviers, que ce soit sur les cultures, avec des rotations, des rotations différentes, des cultures différentes, hein, avec des cultures peut-être plus économes en eau. Alors derrière, ça nécessite aussi de pouvoir les commercialiser, hein, toutes ces cultures dont on n'a pas l'habitude de mettre en place. Faut travailler aussi sur le levier sur le maintien des couverts. Des couverts végétaux qui sont importants justement pour éviter l'assèchement des terres, sur le levier de l'agroforesterie qui est aussi une solution, le levier du stockage de l'eau. Alors là, on l'a bien vu, hein. Alors c'est du stockage de l'eau avec des bassins, mais stockage de l'eau aussi à travers la gestion de la matière organique, hein. Je pense que ça a été abordé, mais c'est à mon avis un point essentiel, hein. C'est un point, nous en tout cas, sur lequel on travaille énormément, nous ici en France. Parce qu'il faut bien se dire que la lutte contre la sécheresse, ça ne se résume pas pour moi à l'arrosage. Donc, il faut vraiment investiguer un petit peu tous les domaines, hein, qui peuvent intervenir. Donc, les expérimentations, on a la phase d'analyse, on a la phase d'expérimentation, et puis après, à mon avis, il y a aussi une phase qui est absolument importante. Enfin, pour réussir toutes ces deux phases, il y a un point qui est important, c'est le fait d'être organisé. Je pense qu'on ne peut pas travailler tout seul devant des enjeux comme ça. Il faut vraiment travailler collectivement pour pouvoir s'adapter aux défis du changement climatique. Alors, quand je parle de collectif, c'est un collectif de paysans qui ont les mêmes problématiques, mais c'est un collectif qui doit surtout aussi intégrer toutes les structures techniques. L'expérience de Madagascar avec FIFATA, effectivement, je pense que c'est un partenaire important dans ce pour justement trouver ensemble des solutions à la gestion de l'eau. Tout d'abord, parce que ces instituts techniques, ça va nous aider, ça va aider les paysans à avoir cette réflexion sur les solutions qu'on peut mettre en place. Ils vont aider aussi à mettre en place toutes les expérimentations.
donc le partage, partage des, aussi le partage des bonnes pratiques, parce que ces structures-là savent aussi comment ça peut se passer dans d'autres territoires, dans d'autres villages, et pourront justement apporter des éléments importants pour pouvoir avancer, pouvoir travailler. Et puis, ce sont des organisations aussi qui vont, des structures techniques, hein, j'entends, qui vont pouvoir aider l'ensemble des paysans à se structurer pour pouvoir peut-être aussi des fois investir collectivement. Parce qu'on voit que donc, quand on parle, ça nécessite quand même, quand on parle d'arrosage, quand même des investissements qui sont quand même assez conséquents, pas forcément accessibles à tous, et donc c'est important de pouvoir les faire collectivement. Donc c'est pour ça que je pense que l'organisation, l'importance d'être organisé pour réfléchir à cette problématique, elle est essentielle. Il y a un autre point, donc, que je parlais de l'analyse, de l'expérimentation. Il y a pour moi aussi un point qui est important, c'est tout ce qui est vulgarisation des pratiques. Alors, vulgarisation et formation, hein, j'entends. Parce que l'objectif, c'est de pour moi, quand je vois de l'extérieur, c'est de faire avancer tout le monde. Parce qu'on voit que dans les, à la fois Madagascar et en Côte d'Ivoire, et on l'a bien vu par les témoignages, qu'il y a des choses qui se font, il y a des gens qui se prennent en main, qui investissent et tout ça, mais ce qui est important, c'est d'avancer collectivement et puis vraiment d'entraîner un maximum de paysans dans cette transition. Parce qu'effectivement, nos agriculteurs qui ont témoigné sont des leaders chez eux, hein, c'est important, mais il faut aussi que tout le monde suive et puisse ait cette capacité de changement. Aussi, je pense qu'il y a une difficulté aussi à ce niveau-là dans la vulgarisation, c'est le fait qu'on peut parfois rencontrer aussi quelques réticences. Parce que bon, il y a des gens qui sont un peu fatalistes en disant c'est comme ça et j'ai toujours fait comme ça aussi, je continuerai comme ça. Et puis donc c'est un petit peu des fois, parfois même des réticences qui sont un peu culturelles, mais sur lesquelles il faut qu'on passe dessus pour dire d'entraîner tout le monde. Cette vulgarisation, elle est essentielle donc pour entraîner un maximum, pour partager les investissements. Pour aussi répondre à quelques questions, hein, parce qu'on parle d'arrosage, et notamment par des initiatives un petit peu individuelles, mais derrière tout ça, ça pose quand même une vraie question, c'est la question du partage de l'eau. Si on arrive à entraîner tout le monde, je pense que répondre à cette question, ça sera beaucoup plus facile que si une partie investit dans l'arrosage et au détriment peut-être des autres. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de faire en sorte qu'un maximum de paysans soient dans cette démarche. La vulgarisation et la formation, elle est importante aussi parce que, je le disais tout à l'heure, les cultures vont peut-être changer. Il y aura peut-être aussi donc derrière des circuits de commercialisation peut-être à mettre en place. Et ça, il faut aussi pouvoir y réfléchir. Et puis, le fait d'entraîner tout le monde, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'actions qui ne peuvent se faire que si elles sont concertées. Notamment, par exemple, sur des problèmes d'érosion. On le voit à Madagascar, hein, des gros problèmes d'érosion qui ne peuvent pas se solutionner par des initiatives individuelles. Hein, c'est vraiment des initiatives collectives, hein, travailler sur l'agroforesterie, travailler sur des massifs reboisés, et ça doit concerner absolument tout le monde. Donc voilà, cette vulgarisation, c'est une phase pour moi importante. Hein, on a beaucoup parlé de solutions expérimentales et des différentes techniques qu'il y avait sur place, mais il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de monde qui soit associé. Et puis la vulgarisation, ça pose évidemment la question de l'accompagnement technique, parce qu'il ne s'agit pas de faire des investissements derrière comme ça sans être accompagné techniquement. Hein, et cet accompagnement technique, pour moi, sera d'autant plus efficace si les producteurs sont organisés.
Je vois, enfin, l'expérience avec FERT, hein, et grâce à Anne, on a pu travailler ensemble sur le territoire, la province du Yurumbe, hein, où justement cette vulgarisation se fait par des paysans relais. Et ça, je pense que c'est vraiment une belle illustration de la vulgarisation des bonnes pratiques. Voilà un petit peu ce que je retiens de cette heure, de vos témoignages qui ont été pour moi, je vous le dis, très, très intéressants. Voilà, moi, ce que je retiendrai, c'est que c'est une synthèse difficile parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a autant de solutions que de pays et autant de solutions que de territoires. Hein. Vous avez des expériences complètement différentes, avec des situations complètement différentes, avec des contextes complètement différents. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas rester isolé, passif devant la situation. On sait que c'est le collectif, hein, qui va nous permettre de répondre à ces enjeux climatiques qui sont extrêmement importants pour demain. Dire aussi une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir peur de changer nos habitudes. Il faut bien se dire que de toute manière, on y est obligé. Et puis, ça remet en cause des agricultures qui sont centenaires, des pratiques agricoles qui sont vraiment très, très anciennes. Donc, ça va chambouler tout ça. Mais ce qu'il faut se dire, surtout, c'est que cette remise en cause, hein, ça peut être aussi une opportunité, ben, pour démarrer quelque chose, pour se développer. Et ce n'est pas réagir, ce n'est pas ne plus subir, mais c'est peut-être aussi... Préparer l'avenir et se donner des opportunités. Je pense qu'il faut aussi le voir dans ce sens-là. Voilà, ce que m'a inspiré cette discussion. Merci beaucoup, Laurent. Donc, je retiens quelques éléments clés. C'est vraiment intéressant là, sur que le changement climatique touche tout le monde dans la durée, qu'il faut trouver des réponses adaptées aux différents contextes. Que le rôle de l'expérimentation, tester pour aller de l'avant, hein, parce qu'il faut changer, travailler ensemble, ne pas rester isolé. Et enfin, vraiment le rôle clé de la vulgarisation du Conseil agricole pour permettre tous ces changements. Donc, un grand merci, Laurent, pour ça. Je vous encourage à, sur ce dernier diapo, là, à évaluer, en tout cas, on a fait un petit questionnaire de satisfaction, donc vous pouvez scanner le QR code ou aller sur le lien qui est affiché. Et il y a un tout petit questionnaire très simple qui vous permet de dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Voilà. S'il n'y a plus de questions, Anne nous dit une devise des céréaliers, anticiper pour ne pas subir. Voilà. Je ne la connaissais pas, mais elle est tout à fait adaptée à la situation. Très bien. Et ben, je propose qu'on mette tous nos caméras sur la fin pour se dire au revoir, enfin, ceux qui peuvent en tout cas. Tac. Au revoir, merci. Et puis un grand merci à tous, très bon week-end. Bon, merci Joseph, bon, merci aux orateurs. Merci aux interprètes également. Et aux interprètes, oui. Ok, merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir à tous.